Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Embrasé par le Saint-Esprit, nous vous invitons à lire Acte 2. Pour conclure, avant son ascension, Jésus promit à ses disciples qu'un consolateur viendrait les encourager alors qu'ils commençaient leur mission mondiale ultime. Même en l'absence physique du Christ, le Saint-Esprit, nous dit Ellen White, est la présence personnelle du Christ dans l'âme. L'arrivée du Saint-Esprit dans la chambre haute embrasa et motiva le cœur des croyants d'une passion immense qui leur permit de faire avancer leur ministère. L'Esprit vient pour remplir les âmes vides et désespérées. Il est venu pour ramener le cœur et l'esprit au Père. Il est venu pour embraser son peuple. Nous pouvons nous aussi faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, même aujourd'hui. Qu'offrent vos idées ? Fermez les yeux et imaginez-vous dans la maison juste avant l'arrivée du Saint-Esprit. Chantez le cantique « Descends, Esprit du Dieu vivant », hymne et louange numéro 123 et réfléchissez à la signification des paroles. Imaginez que vous êtes une tasse ou un verre. Videz votre esprit de toute pensée et tout sentiment négatif. Lisez Actes 2, versets 17 à 21. Respirez. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de pensées positives et d'encouragement. Écrivez une courte lettre au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous montrer les secteurs de votre vie qui ont besoin d'être guidés par lui. Apprenez à dire « Dieu t'aime » dans au moins 3 langues différentes. Puis, partagez ce message trilingue avec un ami. Ayez une discussion de groupe ouverte sur les différentes perspectives concernant la question du parler en langue dans l'Église. Préparez un repas délicieux et dégustez-le avec un ami. Racontez-lui l'histoire de la Pentecôte pendant que vous le remplissez de votre gentillesse. Pour aller plus loin, lisez Jean 14. Lisez également Ellen White, Conquérant Pacifique, chapitre 5, Le don du Saint-Esprit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage. Remue Ménage. Remue Ménage. Remue Ménage. Remue Ménage.